Et salut à tous et bienvenue dans l'épisode 5 du Let's Play d'Alien Isolation. Et je me suis pas trompé cette fois-ci. Donc j'espère qu'il va y avoir un peu plus d'action, même beaucoup plus d'action dans cet épisode-là. Parce que là, l'épisode d'avant, là, il y avait rien eu d'intéressant. Moi je tourne celui-là directement après. Enfin directement après l'épisode 4. Donc du coup pour les touches, j'ai pas d'excuses, je me suis réhabitué aux touches. On va activer le clavier du coup. Quoi, c'est tout? Enter, c'est tout? Oh, ho, 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 ho. On fout que je lui mette la balle à la gueule, moi. Genre... J'espère que je vais pas mourir parce que la dernière fois j'ai sauvegardé, c'était assez loin. Et il faut... Perfect returnalisme. Ah, j'ai débloqué, enfin. Il faut que je trouve un truc pour sauvegarder là parce que j'ai pas vraiment pas envie de recommencer les gars. Non, ça c'est le terminal. Ah. Oh. Y'a pas de truc... Je veux un truc pour sauvegarder, les gars. En fait, j'ai pas envie de recommencer parce que je suis assez loin d'où on a fait ça. Bon, c'est pas trop grave, au pire, je recommencerai hors caméra. J'espère juste qu'il est parti là pour de bon. Mais c'est. On vient de voir un alien complètement, quoi, là. Mais genre complètement, quoi. Vraiment complètement, les gars. Bon, j'espère que je ferai trop de bruit pour lui. Moi je veux juste être un bot ami moi. Pourquoi les aliens dans les jeux et dans les films veulent toujours nous tuer? Parce que sinon il y aurait pas de jeu et pas de film quoi, mais... Putain quoi... Est-ce que je peux fermer des quêtes maintenant s'il vous plaît? Fabriquer, merci. Et je vais l'utiliser directement parce que là, j'ai plus beaucoup de vie. Et vu à la vitesse où on perd de la vie, il vaut mieux que je me soigne maintenant, comme ça je suis folle. Hop. Voilà. Le conduit qui s'est ouvert quoi. Ah oh, franchement l'ambiance du jeu est géniale. J'ai rien à redire franchement. Mais en fait je veux pas aller par là parce que j'ai l'impression que je dois pas aller par là donc Ok bah si en fait je dois aller par là. C'est où je dois aller exactement? Oh bah non attends. C'est par là. What the fuck. Oh y'avait ça. Ouais je dois aller par là donc par là derrière apparemment là derrière ça il y a une pièce apparemment. Et je dois y aller mais comment y aller? Ah attendez, étage. Ok c'est l'étage au dessus. Enfin je crois que c'est l'étage au dessus ou en dessous. Donc là je dois juste faire demi-tour apparemment. Ok bah let's go, on fait demi-tour hein. Ma foi. Y'a pas un truc pour sauvegarder vite fait les gars. Vraiment juste je sauvegarde, paf et après on en parle plus quoi. Ah ouais ça je l'avais déjà utilisé. Je serais plus rassuré comme ça. Si je recommence au moins. Je recommencerai moins loin. C'est de là que je vais. Je suis pas très sûr d'où je vais là en fait. Bah non là c'est de. J'ai fait le tour quoi. Tu m'étonnes que je suis pas sûr de moi si je fais le tour. Ah mais l'ambiance du jeu franchement. J'arrête pas de me répéter mais c'est juste juste excellent. Rien que l'ambiance vaut le coup en fait de jouer au jeu. Par con comme ça mais. Beau quand même.
On dirait Jupiter, ça, je persiste à dire que c'est Jupiter, moi. Je sais pas si c'est Jupiter, mais... persiste à dire que c'est là. Mais j'avais déjà ouvert la porte, pourquoi elle se referme aussi à chaque fois, quoi. Non, mais je suis bon, là. Par contre, une fois qu'on l'a fait, ça devrait plus, on devrait plus le demander, quoi. Je veux dire, une fois... quand la musique s'excite comme ça, c'est jamais bon. Quoi, l'alien est ici, c'est ça? Non, je crois que la musique c'était juste pour nous faire genre, mais non, c'est bon. T'as la musique qui s'excite de plus en plus, quoi. Alors... bon, ça c'est assez facile en fait. C'est juste que, à mon avis, plus on avancera, plus ce sera... plus il y aura de touches à faire. De code à sélectionner, genre là on a un 3, ce sera un 5, ça je veux dire. Peut-être cinématique, peut-être. Bon, là c'est le chargement. Je sais pas si y a une cinématique, s'il y a une cinématique, tu coupes le micro. Bon, là de toute façon, le système de transit de Sébastopol est le moyen le plus rapide de vous déplacer entre les 3 tours principales. Des bruits de lutte peuvent faire venir l'alien attirer le à vos risques et périls. Ah. Donc en fait, si je tape sur un mur par exemple ou quoi, ben... ou alors si je tabasse quelqu'un. Je ne tabasse personne. En vidéo. Tous les visiteurs doivent s'enregistrer à la réception. Oh. Bonjour. Bon, au moins il y a des gens, au pire, dans le pire des cas, ben... ah, j'actualise ma carte. Donc je vais aller à droite. Bonjour. Hey, mon nom est Ripley. Amanda Ripley. J'ai besoin de votre aide. Veuillez vous asseoir. Quelqu'un va vous recevoir très rapidement. Pas étonnant que Sixon soit en perte de vitesse. Je lui fais absolument pas confiance à lui. Hein. Ok. Ok, non, je voulais savoir si on pouvait casser, mais... hop, donc... faites confiance à nos lambdas. Wow. Toujours à l'écoute et toujours à votre service. Image de la caméra. Purification d'air, je veux bien quand même. Pas de qualités humaines. Ils se contentent de travailler pour vous. Afin que vous puissiez mener une vie plus tranquille. C'est des enfoirés. On est obligé de désactiver la purification d'air si on veut. Tout simplement étonnant. Capacité du réseau en fait. Ah non, 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 on n'est pas obligé. Parce que la capacité du réseau, il reste 9. Je vais te comprendre ça en fait. Oui, je vous ai dit, on va comprendre au fur et à mesure des jeux, les logiques du jeu, j'avancerai plus vite à la fin en fait. Enfin, j'ose espérer parce que si j'y galère comme ça tout le long, ça va être assez chiant les gars. Carte d'accès requise, je m'en fous, je tue le bot et c'est bon. Ok. Attends. Soudeur ionique requis. Mais je l'ai déjà, non? The fuck. Je vais devoir un robot là au bout à gauche. En fait, c'est que des bots. Puis-je vous aider? Je dois aller au contrôle des communications, c'est urgent. Il s'agit d'une zone interdite. C'est important. Vous voyez pas ce qui se passe? Apollo contrôle la situation. Votre enregistrement est presque terminé. Laissez tomber. Je me trouverai un chemin. Je vous le déconseille. Qu'est-ce que je me déconseille? Rien à foutre, moi. J'y vais quand même. Faites confiance à nos lambdas. Mais le jeu n'a pas l'air court et ça c'est bien, je râle pas dessus, mais le jeu n'a pas l'air assez long en fait, parce que l'air de rien, là j'ai déjà l'épisode 5 et j'ai l'impression d'être au début du jeu. Et à mon avis c'est pas qu'une impression.
Soit c'est moi qui n'avance pas vite, ce qui est possible. Fort probable même. Ok. Je prends tout, de toute façon j'aurai besoin de tout. Je crois que je vais faire une connerie. Ok non. Tu prends le revolver s'il te plaît, au cas où. Je préfère avoir un revolver que... C'est une sorte de détecteur. Détecteur de mouvement. Il a été trafiqué. Comment ça marche? Putain. Y a-t-il un problème? Non, aucun problème. Je m'attendais pas à ce qu'il soit là en fait. Mais je pense que c'est prévu par le jeu, mais. Ok, donc là j'ai vu. Nice. C'est quoi, je vais te ramasser? C'est de l'alcool? Pour faire de monde ça. Pour faire des cocktails Molotov. Alors. Je sais pas comment on dit. Hug, je suppose. J'ai installé un verrou manuel sur la porte qui mène à l'étage. Je ne veux aucun accident jusqu'à ce qu'on découvre ce qui cloche. Non manifeste. Notre but n'est pas de vous montrer un nouveau monde, mais de le découvrir avec vous. Chez nous, à Sixan, toutes les nouvelles technologies, projets de recherche et découvertes sont utilisés pour trouver un moyen de les appliquer à votre réalité de quotidienne. J'étais en train de les réaliser, moi. Nous comptons sur vous pour prendre part au voyage. Oh merde, il y avait un... Ah, ça pour demain. Ouais, bon, les trucs comme ça, on s'en fout un peu quand même. Je sais pas non plus. Marie, si jamais t'as ce message, je suis en route pour le centre de communication Sixon. Je t'ai pas réveillé parce que je savais que t'essaierais de m'arrêter. J'espère que tu comprendras, c'est notre meilleure chance. Quelqu'un doit rétablir les communications. Il faut qu'on fasse en sorte que le gouvernement sache ce qui se passe. T'inquiète pas, je vais revenir. J'ai pas l'intention de vous laisser tomber, Claire et toi. Ok. Alors, utilité, accès à la porte, forcer le mécanisme de la porte. Ok, nice. Ah, c'est quoi ça? Rebootage du système. Éclairage. Est-ce que c'est utile l'éclairage? Et quel point c'est noir? The fuck? Attendez. Mais t'es où la porte qui s'est ouverte là? Y'avait une porte qui s'était ouverte là, non? The fuck, je suis aveugle ou? Ah non, c'est ok, c'était à côté. Oh là là. La musique, qui sait que c'est encore? Un truc pour sauvegarder. Les portes qui s'ouvrent et tout ça, ça me fait stresser carrément. Alors, par contre, est-ce que je peux. J'espère que le détecteur sonne quand même s'il y a quelque chose qui m'approche alors que je l'ai pas en main. J'espère que je suis pas obligé de l'avoir en main en fait. Ça serait bien. Oula. Fallu arracher mon micro. Est-ce que c'est par là que je dois aller parce que en fait je sais même pas. Non, c'est pas par là mais. Ok. Non, ici à mon avis ça sert. C'est-à-dire ça sert strictement à rien, je pensais que c'était à ça. Le point situé au bord de l'écran du détecteur de mouvement indique votre objectif. Mon objectif, ok, donc mon objectif est par là. Nice. Ah, ça c'est bien ça. Pourquoi il me l'a pas dit quand j'avais le détecteur par exemple? Non. De toute façon, attends, là, c'est bien de chercher parce que voilà, je découvre un schéma là par exemple, que je n'aurais pas découvert si je n'avais pas cherché. Cette chose, on peut pas y toucher. Mon détecteur a sonné. Oh, et la manette vibre en plus.
Donc il sonne quand je l'ai pas en main. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est pas un alien. Ouais, vas-y, sûrement encore. Sûrement encore des trucs comme ça. Il est où mon objectif? Il m'a dit plus mon objectif, c'est... Puis ça est... Ah, une valise, carrément. Fumigène, ok. Non, tu gardes le revolver, s'il te plaît. The fuck? J'ai pas l'impression d'être dedans, mais bon, c'est celui que je suis dedans. Putain, j'ai l'impression d'être... de crocheter une serrure sur... sur Assassin. Pas plus mal. Encore un schéma? Non, putain. Bah si, c'est un schéma, mais apparemment, il sert à rien. Oh, j'entends marcher tout le temps, quoi. C'est horrible. Je pense que je dois aller dans le conduit. Je vais pas y aller maintenant parce qu'il y avait certains trucs que j'avais pas été fouillé là-bas. Ok, bah y'a rien. Ok, un avion de chasse qui passe. Allez, une grue, un avion de chasse. C'est la guerre. Oh, il y avait une valise là, j'avais pas vu. Ouais, j'entends marcher. J'ai entendu marcher, il y a le détecteur. Putain, c'est horrible ce jeu. J'entends... Il y a le détecteur qui sonne, j'entends marcher, puis il y a le détecteur qui sonne juste après, quoi. Je sais pas ce que c'était. C'est moi, Yooks. Vous me reconnaissez pas ou quoi? Écoutez-moi, il faut absolument que je rétablisse les communications longue portée. Vous montrez des signes d'hystérie. Reculez, je vous préviens. Allons, trouvons une solution à l'amiable. J'ai touché le micro, désolé. Oh putain. Bonne journée. C'est sérieux? Bonne journée. Allez quoi. En même temps, le gars il l'a cherché quoi, il l'a un peu. Il l'a un peu provoqué quoi. Ouais, ok, j'avais pas vu ça. Des fois dans les conduits on voit pas grand chose. J'espère qu'ils vont pas m'agresser à moi en fait. Ah. Oh, c'est quoi? Oh, c'est la caméra! Je vais aller jeter un coup d'œil. Non, viens pas jeter un coup d'œil. Oh, ça va, elle m'agresse pas. Moi je veux bien passer trouver une solution à l'amiable. Vous montrez des signes d'hystérie, mais tais-toi l'hystérique. Comment on recharge, j'ai 6 balles encore. Ouvre la porte. Ils sont pas très... Moi je voulais bien trouver une solution amicale, hein. Pourquoi il m'a pas demandé à moi? Oh merde, j'espère que j'avais sauvegardé il y a pas très longtemps. Au pire on y retourne rapidement. Au pire je fais une élite dans le pire des cas si c'est vraiment trop loin. Où suis-je?
Ouais, je pense que je vais faire une ellipse, les gars, parce que là, je suis assez loin, en fait. Je suis où, là? En fait, je sais pas où je suis. Ouais, je crois que je vais faire une ellipse, parce que là, il faut que je reprenne tous les objets et tout ça, donc... Ouais, je vais faire une ellipse, les gars, et puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve. Donc là, il vient d'éclater la tête de l'autre contre le mur. Ça, vous l'aviez déjà vu. Donc, du coup, je pense savoir où il faut aller. Par là. Ouais, j'utilise pas trop la lampe torche. Faut pas utiliser les pelles. Je pense que tout à l'heure on avait vu qu'il fallait ouvrir la porte ou je sais pas trop quoi. Ok, donc maintenant je vais aller derrière la caisse, voilà ici. Je vais attendre que ma caméra se bouge. Pour aller à la porte. Et puis... Allez. Je vais pas aller fouiller par là, je m'en fous. Il y a les petits robots là, les androïdes et tout ça là. Alarme détectée, zone à soumettre à examen. Mais va te faire mettre. Allez, vite. J'allais sortir mon fly au cas où il approche, mais non, ça. Mais du coup c'est bien parce que j'ai récupéré mes munitions, donc ça a un côté positif de s'être fait tabasser. Cap central des communications. Accès réservé aux employés de Sixon. Il y avait un pote. Un pote sauvegarde juste ici, je vais le faire vite avant que l'autre bot là arrive. Alors, ah, je peux actualiser ma carte. Faut pas que j'oublie ça, il faut pas que je les rate ces machins là, c'est important. Alors, mon objectif, il est tout droit mon objectif. C'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Pour moi, ça m'a fait que mon objectif est derrière moi. Maintenir L2 pour concentrer la vue lorsque vous... Ah ok, ouais, ah c'est pas con ça. C'est un petit truc mais c'est pas con. Ils ont quand même pensé à tout je trouve. C'est... Enfin, pour l'instant en tout cas ils ont pensé à tout. Maintenir pour se cacher. Je rentre là-dedans moi, je suis contorsionniste. Je pensais que j'étais astronaute. Pas vu lui. Mais en fait c'est un détecteur de mouvement, donc quand il bouge pas, bah ça ne détecte pas. Ce qui est logique, vous allez me dire. Ouais c'est Jupiter, c'est obligé. C'est Jupiter. Pourquoi on étudie Jupiter? T'as les yeux rouges toi. Il va m'attraper? Ok. Je voulais savoir s'il était méchant ou pas. Oh, c'est toi qui montes des signes d'agressivité! Ah! Ne courez pas. Je cours si je veux. Mais ils sont pas très dangereux en fait. Pas très mal. Pas très rapide. Wow. On n'est pas obligé d'en arriver là. Ouais, bah non, on n'est pas obligé d'en arriver là. Tu peux juste me dire partez s'il vous plaît. Est-ce qu'ils me suivent là-dedans? Non. Ah. Oh, j'aurais pu passer ici depuis tout à l'heure en fait. Quel con. Apparemment, mon objectif n'est pas ici, donc du coup. Je fais peut-être n'importe quoi parce que mon objectif n'est pas ici, donc je sais même pas pourquoi je vais ici en fait.
Pour être honnête, je n'ai aucune idée de ce que je fais. Comment je fais pour sortir? Ceci n'est pas autorisé dans cette enceinte. Bonjour, je suis bugué. Ok, c'était bon. Donc vous n'avez rien vu, il n'y a pas de bug dans ce jeu, vous n'avez rien vu. Je me suis juste raccroupi et ça a débloqué et tout. Quel est cet endroit? Ouais, je découvre un peu là, mais en fait je vais n'importe où. Bonjour. Hop. Hop, esquive. Ah bah pas esquive longtemps, mais bon. Ok, je crois que je suis mort là. Mais toi, calme-toi. Dites donc, ils sont excellents. Ils sont excellents quand même. Ils sont excellents. Dites donc, genre... Allez, s'il te plaît. On va aller par là. Il est là, mon objectif, en fait, je crois. Medikit, il est où? Ah, il est là, j'en ai plus. Scheiße. Je vais peut-être recommencer, en fait. Au dernier... Ouais, je vais recommencer au... au dernier... je vais venir directement ici. La plus récente, celle-là. Mais ça, c'est pas con parce qu'ils ont mis deux sauvegardes. C'est-à-dire que la dette toute dernière et celle juste avant. Comme ça, si vous sauvegardez à un endroit où vous vous faites agresser à chaque fois, vous respawnez et vous faites tuer, ben, vous pouvez respawn au point de contrôle juste avant. Quoi. Et ça, c'est vraiment intelligent. Ça. Pour info, c'est à cause de ça que j'ai pas pu faire le platine de Deep Space A. Il me reste un trophée, c'est terminer le jeu en difficulté maximale. Et je suis bloqué comme un con. Je suis au chapitre 6 à boss. Et figurez-vous que ce boss là, j'ai pas assez de munitions pour le tuer. Et le pot de contrôle est dans la salle du boss. Donc du coup, bah, je peux pas racheter des munitions. Donc voilà. Ça fout un peu la haine, mais bon, c'est comme ça. On va se fabriquer un peu des choses là. Parce que je commence à avoir beaucoup de trucs à crafter. Pour fabriquer. Alors, on va se fabriquer ça. Medikit, j'en aurais besoin. On va s'en fabriquer deux. Medikit. Pourquoi il est difficile à la tête celui-là? Voilà. Celui du milieu est difficile à la tête, je sais pas pourquoi. Le mal foutu ça, mais bon, c'est pas trop grave. Qu'est-ce qu'on peut. Fumigène, j'en ai sec, pas besoin. Émetteur de son, ça peut être très intéressant ça par contre. On va s'en faire deux parce que ça peut être vachement intéressant. J'espère que je peux le lancer. Ce qui serait vraiment bien hein, qu'on puisse le lancer. Bon, je commence un peu à m'habituer au jeu, donc ça c'est bien, ça va être vraiment bien. Bon, fumigène, on s'en fout un peu. Bon, aveuglotte, ça par contre ça m'intéresse, ça je veux bien. Est-ce que je peux ramasser les trucs maintenant? Ouais, voilà. On va arrêter de fabriquer des choses. C'était juste pour pouvoir prendre les trucs. Voilà. Alors, ce terminal là, il sert à quoi? On va le pirater. C'est mon objectif, je crois. Si je me trompe de touche, ça va être pas joyeux, joyeux. Voilà. Accéder au terminal, mais oui, forcément. Tu me fais, toi. Alors, personnel, je suis Diane Verlaine, capitaine du Torrance. Je transporte avec moi 3 passagers pour le compte de Weyland Yutani. Vous détenez la boîte noire du Nostromo. Nous demandons l'autorisation de son transfert immédiat à vous. Donc ça, c'est le message qu'on a envoyé. Erreur, ok. Ici Verlaine du Torrance. Sébastopol, est-ce qu'un membre de notre équipe de VA est parvenu à bord? Répondez, s'il vous plaît. L'explosion nous a causé des dégâts. Nous sortons de l'espace de Sébastopol. Nos systèmes seront HS pendant les réparations. Je ne peux rien avancer pour l'instant. Ici Waits, capitaine de la colonie à Sébastopol. La situation est grave. Nos communications non locales sont HS. Vous devez envoyer un message d'urgence de notre part. Vous me recevez? Je répète, toutes nos communications à distance sont HS, et nous avons besoin d'aide. Restez en arrière et envoyez des secours. Ok.
Ok, tu veux dire, je peux rien faire, donc je pense. Donc, du coup, à cause de l'explosion, mon équipe est partie. Je suis très étonné de ça, je pensais qu'ils allaient rester juste à côté. Non, ça, on s'en doutait que j'allais être seul de chez seul. Communication extérieure désactivée sur ordre d'Apollo. Poste hors ligne. Toutes les communications en cours sont suspendues. Oh, super, il manquait plus que ça. Les communications internes sont ouvertes sur certaines fréquences. Il doit y avoir un moyen de contacter quelqu'un de la station. Maquet, oui, il y a toujours moyen. On va trouver, on va trouver. Donc on a pu voir que les autres n'étaient pas très dangereux, mais on va sauvegarder, comme ça j'aurai pas besoin de retourner là au-dessus. Au cas où il me tue. Ce qui n'arrivera pas. Je suis à PGM. Hop, on va quand même faire gaffe. Hop. Allô les gars, bon, on est déjà à 30 minutes de vidéo, mais bon, on va terminer la mission quand même. Cette mission là. Oh fuck it. Merde. Maquille, je dois retourner dans l'ascenseur en fait, c'est ça? Je pense que oui, hein. Je pense que je vais. J'espère que je fais pas de conneries là. Mais là, il n'y a pas de porte. Non. Donc je vais retourner en arrière. J'aimerais bien terminer la mission. Je sais pas, j'espère qu'elle va pas durer trop longtemps. Au pire, dans le pire des cas, à 37 minutes, j'arrête. Pour ne pas que les épisodes soient trop longs. The fuck? Je suis toujours au même endroit? Non? De toute façon, pour une fois, on a eu de l'action dans cet épisode. De l'action! On commence enfin à avoir de l'action, et ça, je suis content. Mais en fait, ça me paraît bizarre qu'on retourne en arrière, en fait. Ça me paraît bizarre, mais de l'autre côté, je vois pas où on peut aller, en fait. C'est... Cap central des communications. Accès réservé aux employés de Simpson. Est-ce que je peux aller là, ici? Ah non, ça me paraît déjà moins bizarre, là. Donc je vais bien aller par là. On va essayer d'aller vite fait. Pas besoin d'aller dans le conduit. Tunnel, c'est pas grave, on va pas trop chipoter pour l'instant sur des objets comme ça. Ok, donc. Il m'a pas vu, hein. Il est con. Ça, il m'a pas vu. Donc je dois aller dans cette porte là, je pense que je dois aller dans cette porte là, je suis pas sûr à 100%, mais bon, on va y aller. Là, il y a des trucs à ramasser, je sais pas si c'est mort à masse. Ok, nice. Pour une fois, je vais au bon endroit directement. C'est rare. Si je... Dois-je aller par là? Mon détecteur qui s'affole. Bonjour toi, je t'avais pas vu. Allô, est-ce que quelqu'un me reçoit? Oui, moi je te reçois, boss. Nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin. Fuck it. Répondez, je vous en prie. On dirait qu'il pleure carrément. C'est mon boss en plus. Je sais même plus comment il s'appelle là, je reconnais sa voix mais je sais plus comment il s'appelle. Allô, le est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide de toute urgence. Répondez, je vous en prie. Bien joué. Je m'attendais pas à ce que tu me contres. Allô, est-ce que quelqu'un comment me on fait pour recharger le flag? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Je répète, il nous est avons où besoin d'aide de toute urgence. Répondez, je vous en prie. Oh putain, pourquoi tu recherches pas toutes les balles, connasse? Vas-y, allô, prends ton temps. Que quelqu'un me reçoit. Si quelqu'un m'entend, tiens, recherche balle par balle ou quoi?
Ah non, ok, il faut laisser appuyer. Ouais, ça, c'est le truc qu'il faut s'habituer par contre. Bon, je l'ai tué, je me suis permis de le tuer pour être tranquille en fait. Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide de toute urgence. Utiliser. Ah ouais, ok, voilà. Bon, cinémathèque, je coupe le micro. Samuels, vous êtes vivant, ici Ripley. Ripley, quelle heure c'est Ripley? On s'inquiétait, on pensait. J'en suis sorti, où êtes-vous? Nous sommes actuellement dans une gare de transit, à côté du centre de soins. Entendu. Samuels, écoutez-moi, vous êtes pas à l'abri ici. Cet endroit a été barricadé par Sixon, leurs putains d'androïdes sont en train de faire un massacre. C'est impossible, c'est contraire à toute la programmation de synthétique primaire. Messieurs Samuels, je suppose que Sixon a une conception différente des synthétiques. Et il y a autre chose, une créature énorme et meurtrière. Ripley, calmez-vous. Quelle créature? Une forme de vie, une espèce inconnue. Une sorte d'organisme alien. C'est extrêmement dangereux. Taylor est... Ripley, Taylor est blessée. Elle a été frappée par des débris lors de la traversée. Quel est son état? Je ne peux pas la déplacer, il me faut du matériel de soins. Il faut absolument qu'on nettoie et qu'on soigne les blessures. Torrance? La radio vient de nous lâcher. Impossible de contacter Verlaine. On est tout seul. Oh merde. D'accord. J'arrive. Je vais vous envoyer une voiture de transit. Donc voilà, ils sont tous les deux retrouvés leur vie. Veuillez patienter. Un membre du personnel Sixon va vous assister dans les plus brefs délais. Je vais pas vous quitter tout de suite d'abord là, je vais sauvegarder puis je vous quitte. Comme ça vous voyez que je sauvegarde, on recommencera là directement. Je vais pas aller plus loin, moi, je vais pas découvrir plus. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, il y a enfin eu de l'action. On sait que mon boss est vivant. Merci. Je vais pas sauvegarder. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Bye bye.